Salut! Salut, Alu, ça va? Ouais. Oh, merci! Merci beaucoup! Très gentil, merci de t'être abonné. Tu vas pas le regretter, hein, c'est du high level. Hein. Est-ce que c'est. Eh, faut pas que. Faut pas. Faut pas faire des jeux de mots comme ça, parce que moi je suis client en plus de ce genre de truc, donc je peux rigoler longtemps, tu vois. Mais est-ce que c'est un don de la mer? Ouais. Oui, c'est un don de la mer. Et de retour du coup dans Subnautica pour. C'est juste pour faire cette vanne, mais tu as bien fait. Mais moi je suis d'accord. Je suis partisan de. S'il y a une vanne à faire, il faut la faire. Tu vois, c'est. On peut pas rester comme ça là. On peut pas rester les bras ballants, on peut pas, tu vois, on peut pas attendre que le temps passe et que cette vanne ne soit pas faite. Il faut la faire, donc tu as raison. Et donc je disais de retour d'un Subnautica pour, je sais pas, parce qu'en fait j'ai fait ça, j'ai joué la semaine dernière. Et du coup, je crois. C'était. Attends, c'était quoi? C'était. Ah oui! Il y a une navette qui est venue m'aider et cette navette s'est crash, s'est fait exploser par le truc défense. Le truc anti-aérien là de. Des aliens là. Bon, c'était gros comme un camion, tu vois. J'ai crié, je me souviens, j'ai crié et j'ai dit non! S'arrêtez pas! Mais c'est pas grave. Et j'étais à côté du temple, voilà. Et je me semble que j'avais. D'une sorte de temple. Ah, j'espère que tu me spoiles pas des trucs. Non, je sais pas si tu connais le jeu ou pas. Moi, je connais pas du tout. Donc, si tu me dis ça, tu me le dis en mode. Une sorte de temple. Ou en mode. Oh, une sorte de temple, quoi. Ça, moi, je connais pas. Je suis pas. Je suis noob, hein. Faut le dire clairement. Hein. Je suis très. Attends, mais j'ai pas un cutter, moi? J'ai pas le cutter? Je l'ai fait il y a trop longtemps et je suis pas allé trop loin. Ah, bon, ah, ça va, du coup, c'est pas trop de spoil. Yes! Comment je fais? Vas-y, ouvre. Oh là là, oh là là. Ah oui, d'accord, faut que je sois collé, c'est ça? Ok. Putain, faut que je fasse un truc ou il le fait tout seul là? Ah non, il le fait tout seul. Oh putain. Je croyais qu'il fallait faire un cercle, j'étais dans une galère. Et ouais, donc on comprend qu'il y a une espèce de technologie alien. Bon, il y a d'autres. Clairement, il y a d'autres humains qui sont venus avant nous, ça c'est bon, on l'a vu. Il y a rien là? Bon, on va dire qu'il y a rien. Puis, allez, sort. Ça me rend claustro ce truc. Mon Simote. Ouais, donc voilà. Et puis, je crois que j'avais un message radio. Donc, je vais retourner à la base histoire d'écouter le message radio. Et puis, je vais regarder ce que c'est, capsule de survie. Parce que je sais plus après ce qu'il faut faire. J'avoue que je suis un peu. Je suis un peu triste, moi, tu vois. Tous mes espoirs, c'était dans cette navette qui venait me chercher. Et puis, elle s'est fait exploser. Donc, je pense que je vais rester sur une des îles et refaire ma vie ici. C'est ce que les développeurs attendent de moi, j'en suis sûr. Ah ouais, j'avais oublié. Les poissons qui explosent là. Hop là. Ouais, les gros poissons. Mais j'en ai vu un là, en me rapprochant du truc là. En me rapprochant de l'Aurora, c'est ça. En me rapprochant de l'Aurora, j'ai vu une espèce d'énorme. Je le connaissais. Je l'avais vu. Je l'avais vu soit dans la bande-annonce, soit dans un extrait, je sais plus. Donc c'était pas là. C'était une. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Il est mort sous l'eau, lui! Mais le con! Il s'est bloqué en dessous. Donc je l'ai vu, ouais. J'ai vu l'énorme truc.
Honnêtement, c'est pas celui qui m'a fait le plus peur, celui que j'ai vu là, qui est un peu vénère là. Enfin, en tout cas pour l'instant. Ah, ok. Non, mais attends, ouais, ok. C'est cool. Mais il est où? Qu'est-ce qu'il est où? Il me dit il y a des trucs, mais. Ah, ok. Ah, mat, ami! Ah, mais en fait, ils sont là, tous les trucs, je peux choisir. Mais attends, mais comment je sais? Bon. T'inquiète pas, mon petit Milou. On va aller chercher le. On va aller voir le truc petit à petit, petit à petit. On va aller chercher lui déjà. Parce que je sais pas si. Ah, mais j'aime pas ces cris là. Hein. Ça va pas te créer comme ça là. Ah mais il y en a deux là, il est là. Donc celui-là 250 et celui-là 175. On va faire celui-là d'abord. Et je crois qu'après c'est peut-être un peu plus clair dans ce qu'il faut faire, mais là j'avoue que c'est quand même pas, c'est pas super clair. Aïe, j'ai percuté un truc encore. D'ailleurs faut que je répare le cimote. Est-ce que j'ai des batteries? Oui, je pense que j'ai des batteries. Tiens, je vais le réparer là. Tac. Alors attends. Je l'ai pas le truc de réparation. Si c'est ça. Il est où? Réparation. Mon petit cimote. Hop, allez. Alors. Alors. Et où signaler 500 mètres. Ça là, ces moments-là, ils me font flipper, tu vois. Plus que les poissons. Tu vois ce truc où on voit que dalle là. Ça là, ça me fait flipper, ça. C'est le genre de truc où ça me. Ok, c'est là. Ça a l'air tranquille. Ça a l'air safe. Oui, ouais, ça va, tu sais. Mais je l'ai récupéré. Attends, mais je l'ai récupéré déjà, le truc. Il se foutrait pas un peu de ma gueule? Non, il y a rien. Mais il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, le truc. Se fout de ma gueule. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre signal et après je vais aller à l'Aurora parce que je devais pas y aller parce que j'avais pas le cutter et le truc pour éteindre le feu, l'extincteur. Et maintenant j'ai les deux. Donc je vais dire ça se tente. Ce qui se tente, c'est boire du café en même temps qu'on conduit. Ça passe. Il avance pas vite quand même, mon bousin.
Ah, j'ai tapé qui là? C'est qui me tape? Le nombre de poiscailles que j'ai éclaté avec le Simote. À chaque fois, j'ai l'impression de faire un mini génocide, quoi. Je fais disparaître des espèces. Avec mon Simote, je passe et PAH! T'as lu? Ah si, je le connais, lui. Lui, c'est le truc des sables. Bon, ça, c'est loin, mais c'est à 250 mètres, à couler au fond de l'océan. Perso, le bruit, ça me fait toujours marrer. C'est vache. Non, moi ça me fait... Ouais, si, ça fait marrer. C'est rigolo, mais t'as vraiment l'impression d'écraser un insecte. Je sais, c'est comme quand tu frappes des insectes un peu gros, tu sais, quand t'es sur l'autoroute en bagnole. Ça fait un pack. Hey, Moulpout, comment ça va? On est reparti dans les fonds marins. Il faut pas que je descende à 200 mètres, hein, je crois. Il m'a dit, ouais, c'est mon truc, il va à 200 mètres. Alors, on va déjà s'avancer. Donc là, c'est espèce de biome des champignons chelous, là. Les champignons, là, ouais, c'est les... Pas les champignons, mais on a l'idée. Alors. Oh! J'ai exploré ça déjà ou pas? Oh non, je connais pas ça, ces trucs électriques. Mais d'avis qu'ils ne sont pas très gentils. Oula. Oula. Oula boula. Je sors? Bien sûr, je sors. Évidemment, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien. Tu te fous de ma gueule? What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ce truc, c'était quoi ça? C'était quoi ce truc avec son rayon tracteur là? Ça va mieux. Alors clairement ça va mieux qu'hier. Hier je crois que j'étais vraiment, c'était le fond du gouffre. Mais c'est pas la folie non plus encore. Hein. Ah mais attends, oui je suis trop. Remonte, ouais, je viens de voir. C'est bon. Ouais, c'est pas encore la folie, hein. Je sais pas si je ferai mes 2 heures habituelles. Bon, là, j'y vais avec le coup de là. Allez, c'est parti. Attends, je suis con. Attends, avant de partir, là, fais pas n'importe quoi. Mongolien, va. Voilà, vas-y, c'est parti. Ouh, il y a des trucs à côté qui sont chauds là. Des trucs sont chauds. Ok. Oh yeah. Et là, il y a quoi dedans? PDA. La vie là? Mais donne-la moi! Non. Il est chaud le truc, hein. Bon. J'ai fait une capture d'écran. Eh ouais, j'essaie les touches à chaque fois, je suis mongolien. Allez, je retourne là-bas. Et je vais à l'Aurora. Ça a l'air sympa, ces trucs-là. Oh là là, il va y avoir des trucs là. Je vais essayer d'aller à l'Aurora. Parce que ça fait bon, 15 minutes, quelle heure il est? 9h? Putain, il est 9h. Je suis tellement claqué, j'ai l'impression que ça fait une heure que je joue, ça fait 10 minutes. Non, hier j'ai morflé quand même, j'étais fatigué, j'étais pas bien. Mais du coup, Moulpout, j'ai profité de mon état larvaire pour regarder les OAV, je crois que c'est les OAV Berserk qu'il y a sur Netflix. J'en ai vu 2 et je suis à peu près à la moitié du 3e. Je sais pas trop ce que ça reprend. J'ai l'impression que ça fait un condensé de la série qui était ressortie il y a quelques années là. Ça, c'est vraiment le même style et tout. Et c'était plutôt cool. Voilà. J'ai pas fini, mais c'était plutôt cool.
Et j'ai bien aimé, alors que c'est le style série 3D dégueu que je trouve vraiment moche, quoi. Mais là, ça passe. Parce que forcément, comme on en a... Ça reprend que l'âge d'or. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vu que ça s'appelle, le truc, c'est l'âge d'or, 2 points, et t'as un sous-titre pour chacune des 3 parties. Mais moi qui n'ai jamais rien lu ou rien vu de Berserk, si tu veux, c'est plaisant, quoi. Parce que forcément, je me suis fait... Forcément, c'est. Je me suis fait hyper avec la mort de son créateur, dont j'ai perdu le nom, évidemment. Tout le monde en a parlé, tout le monde a dit tout le bien qu'il en pensait, tout ça, donc je me suis dit. Jette donc un coup d'œil, quoi. La 3D est horrible, ouais, c'est horrible. Ouais. Mais en vrai, ça passe. En vrai, comme l'histoire est intéressante et qu'il y a des moments vraiment, vraiment bien, eh ben ça réussit. Et c'est moi qui dis ça. Hein. C'est moi qui dis ça. Ça réussit à me faire outrepasser le côté horrible de la 3D. Alors que d'habitude, juste, tu vois, je vais cliquer, je vais lancer le truc. Cliquer, quelle horreur de dire ça. Je vais lancer le truc. Je vais voir. J'ai plus de place. Je peux fabriquer là ? Non, je pourrais fabriquer. Je vais regarder que c'est de la 3D et je vais arrêter direct, tu vois. Enfin, tu me connais, tu vois, je me respecte. Je me respecte. Aïe, j'ai mis une patate. Et ben là, non, pas du tout. Voilà. Comme quoi. Cyclope, il manque des ingrédients. Faudrait peut-être que je me soigne moi. Est-ce qu'il y a du truc de vie là quelque part? Hop. Il faut peut-être que je foute la pile aussi. Et qu'est-ce que j'ai dans ma. Non voilà, moi je dis. Puis c'est sur Netflix, tu vois donc. Tu vois, vu que c'est sur Netflix, pas se prendre la tête. Hein. C'est surtout ça. Hein. Alors voilà, alors ce que j'aimerais, c'est recharger le Simot. Et là, c'est le mystère, quoi. C'est les phares. Non, c'est pas ça. J'ai aussi la série originale, un DVD. Ouais, j'ai la motte. T'as les piles à l'extérieur. Mais c'est à l'extérieur qu'il faut mettre les piles? Comment on fait? Parce que j'ai des piles. Hein? Batterie haute capacité. Ah, et moi j'ai que des batteries, je crois. Oh, attends, je vois rien là. Ah, j'ai des piles. Ah oui, ok. Donc il faut que je fasse des batteries haute capacité. Ça, c'est bon. Ok. Merci beaucoup pour le conseil. Alors, batterie. Ben voilà, des piles et du caoutchouc. Bon, du caoutchouc, il m'en reste, je crois, non? Oui. Regarde. Tac, on va prendre ça. Et on va faire. Ah, je vais faire quoi là? Non, mais les palmes, je m'en fous. Je m'en fous des palmes, je les ai déjà. Hop, on va faire tout ce que je peux là. On va faire le maximum. Quoi? J'ai déjà plus de piles. Piles, il me faut des champignons acides. Franchement, c'est la dèche. Attends, je croyais que j'avais plus que ça, non? J'ai plus de piles du tout. Ah ouais, j'en ai qu'une. Ah ouais, c'est un peu de la merde. Bon, c'est pas grave. Je crafterai plus tard. Donc c'est là. Ah oui, charge 100, donc en fait, ça... Attends. Charge 39.
78 sur 200. Ah bah je la mets celle-là. Voilà. C'est un Simote. Il est où l'Aurora? Il est pas là. Il est pas là. Et il est là. Et Moulpout, tu dis la série originale en DVD, c'est la série de 97, c'est ça? Enfin, l'animé de... Fin... Ouais, c'est ça, 97, qui est en, enfin, qui est en animé pas 3D, quoi. Parce que c'est pareil, ça couvre pas tout, je crois. Hein. On va se faire des fouilles en or à... Et on va se faire des fouilles en or à profiter de l'hype pour tout ressortir. Parce que j'ai regardé, je me suis dit dans le doute, tu vois, sur Crunchyroll s'il n'y avait pas. Et en fait, sur Crunchyroll, il n'y a pas. Sur Crunchyroll, il y a la série 3D. Et du coup, je pense que c'est les OAV qu'il y a sur Netflix reprennent en fait ce qu'il y a sur la... C'est la série, mais en compressé, quoi. Ouais, j'aime pas trop ces bruits-là, hein. Oh, puis j'y vais de nuit. J'suis vraiment un bolos. J'avais acheté Golgo 13 aussi. Ah ouais, Golgo 13, ouais. Je l'ai faite, celle-là, de capsule ou pas? Rentre-y. Ouais. Ouah, con. Allez. Non, tu veux pas? Je peux pas y rentrer dedans. Mais je peux pas rentrer dedans. Pourquoi il peut pas? Il est où mon Simote? Simote? Il est à Simote. Golgo 13. Mais attends, mais Golgo 13, c'est pas le même mec, ça? Il dit ça. Golgo 13. C'est pareil, c'est vieux ça. Il est 90. J'irais même, c'est très vieux. Étant donné que dans l'école du micro d'argent, Shuriken, il cite Golgo 13. Un bon emplacement d'abri. Alors, pas du tout, mais alors, là, tu me parles. Pas du tout. Moi, tu sais, je suis un mec. Voilà. Ça vibre là. Moi aussi je suis un mec, je papillonne. Moi tu me connais hein. Moi je vois de la lumière, j'y vais hein. Est-ce qu'il y a des choses par là? Bof. Moi j'avais en tête d'aller là, je vais là. Hein. Je prépare mon coup de là. Tiens, coup de là. Coute là. Tiens, oh, couteau. Eh ouais mec, moi j'ai fini Half-Life, j'ai pas peur de vos petits trucs là. Hein? J'ai déjà vu des comme ça moi. Non, en vrai je crois que j'ai jamais fini Half-Life. Hop là. Par où est-ce que je passe? Parce qu'ils m'ont dit ouais, si vous passez, vous êtes sûr, venez avec le cutter là. Oh, mais bien avec le cutter ça changera rien. Je sais même pas où faut aller. Il y a des chemins quelque part là. Non, ça c'est pas un chemin. Ah, mais l'instincteur peut-être. J'ai fini Half-Life 3. Attends. Ah non, attends. Est-ce que c'est une blague Half-Life 3? Ou est-ce que c'est pour dire que t'as fini Half-Life Alyx? Oh attends, ça passe par là. Parce que... Non mais je crois pas. Parce qu'avec mon petit instincteur j'éteins le grand feu. Ouais. Ouais, mais au moment où on m'appelle sur les incendies en Californie, tu vois. J'arrive avec mon petit truc de maison. Ah non, c'est bah voilà, c'est la blague. Et ben voilà, j'en étais sûr. Et non, parce que du coup, tu vois, tu peux...
Tu peux tenter, hein, si tu finis Half-Life Alyx et tu dis ah j'ai fini Half-Life 3, mais en fait bon, c'est Alyx. Non mais soyons honnêtes, Half-Life 3, on le verra jamais. Hein. Enfin je veux dire, c'est quand même faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, à un moment donné il faut accepter la vérité. Hein. On ne verra jamais Half-Life 3, ça n'existera pas. Ça me paraît... Putain, mais avec mon couteau là, c'est compliqué quand même. Hein. Tiens, on peut rester dans des positions, hein, je te raconte pas. Je peux pas aller là. Mais. Oh, merci les murs invisibles. Hein. Changez rien. Bon, je sais pas. On va essayer d'avancer par là. Ne perds pas espoir, j'attendais un Battlefield guerre contemporaine, Dying Light 2 et une suite au jeu Left 4 Dead. Oui, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les 3 jours étaient annoncés pour la fin de l'année. Alors, ok, ok. Ah, Battlefield quand même, on s'en doutait, non? Enfin, je veux dire, c'était quand même... je les voyais mal lâcher une de leurs poules aux œufs d'or, quoi. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment, d'ailleurs, parce qu'ils ont enchaîné le 1 et le 5. Bon, après, qui étaient quand même sur les mêmes moteurs, les mêmes... les mêmes trucs, et honnêtement ils te disent première et deuxième guerre mondiale, mais pff, même dans les armes tu vois pas trop de différence, pas trop de différence de feeling, donc on s'en doutait, mais c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Et après Dying Light 2, ouais, il me semble que ça fait un petit moment qu'ils en parlent aussi. Aïe 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 aïe, prends cher. Et là annonce au prochain E3, imagine. Non mais ils feront pas ça, ils le feront pas, tu sais très bien qu'ils feront pas ça. Et j'ai pris de l'eau alors que j'en ai pas besoin. Non non, mais je pense qu'à Half-Life 3 il sortira après Star Citizen. Ouais, ça c'est mes pronostics, vous pouvez le noter. Et comme Star Citizen, vous vous en doutez, ne sortira jamais. Ouais, je sais pas si j'ai éteint le feu là. Oh yeah, je suis à l'intérieur, trop stylé. Oh yes, qu'est-ce que j'ai chopé là? Je sais pas ce que j'ai aimé. Après une première mondiale et une seconde mondiale et celui avec les braquages là, je perdais espoir. Je sais pas. Moi, tu vois, je me suis dit, ouais, ils vont le faire quoi. Ils vont le faire. Et puis surtout, c'est que mine de rien, t'as eu Warzone. Alors Warzone, je sais plus exactement à quel moment c'est, mais bon, tu vois, c'est guerre moderne tout ça. Et puis ça a quand même. Ça génère des milliards hein, quand même. Faut dire ce qu'il y a. Ce sont des merdes! C'est des milliards. Je peux éteindre le feu. Donc je me suis dit, tu vois. Ouais, oh, écoute. Tais-toi. C'est pas des bénévoles, les mecs. Donc. Ils se sont dit. Je pense qu'ils sont, ils sont lâchés. Quoi. Bah voilà. Mais. Ouais, alors après, j'ai vu le trailer, a priori, de Battlefield 2042, là. Bon voilà, ça a l'air du Battlefield, ça a l'air quand même assez ouf, je crois, 128 personnes sur une map, je crois, ils ont dit. Ce qui a l'air assez incroyable, ça va être un... Et puis forcément, avec tous les trucs modernes, tout ce que... Non, qu'est-ce que c'est ça? Bonjour? Bonjour, vous êtes qui? C'est tout? Ah, ça a l'air... Battlefield Bad Company 3 pour être honnête. Ah, moi il me... Ah ouais, ouais. Ah moi je sais pas, moi il me semblait que bah, les Bad Company c'était mort, je crois qu'ils avaient dit hein, genre il y en aura plus et c'est fini. Je sais pas si ça s'était aussi bien vendu que les autres. J'avais beaucoup aimé hein, je les avais fait et moi j'avais beaucoup aimé en plus le solo, enfin c'était quand même assez cool. Je crois que j'ai fait les deux trucs. Hein. Mais a priori, le solo, voilà, ils sont comme Call of, quoi. C'est solo, c'est fini, quoi. On n'en fait plus. Donc,
Ils ont mis le rocket jump dans le trailer. Ah putain, ça j'ai pas fait attention. Ah bah alors là ça va être la foire à la saucisse. Voilà, mais il y en a partout, c'est... Mais par toi, toi. C'est pas très clair hein, où je peux aller, où je dois aller. Hein. Mais ouais. Des frissons, je te jure que des souvenirs en voyant ce magnifique saut du F-35, coup de roquette et retour dans l'avion. Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Non, mais je pense que ça va être bien cool, quoi. Ça va être bien cool. Et puis il y a moyen que ça fasse, que ça soit une très très belle claque graphique aussi. Et que tous les chanceux et les chanceuses qui ont des 3070, 3080 et consorts vont pouvoir frimer sur leur extrait YouTube. Ouais, voilà, c'est ça. A5 dans l'hélico. Moi, je verrai si j'ai la chance d'avoir changé ma CG d'ici là, je le prendrai. Sinon, bah, j'attendrai d'avoir une meilleure CG, tout simplement. Bon, c'est quoi ? On va retourner au vaisseau. Je vais contourner par là. Je vais sortir par l'autre côté. Ouais, alors moi j'ai fait le 1 et le 5 et il y a quand même je trouve qu'ils sont très 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 forts pour faire un ressenti pour faire le ressenti de la guerre quoi. C'est-à-dire que bon, ça a toujours été leur fort hein, mais les explosions et du coup les maps qui évoluent, que ça soit avec les points de contrôle ou avec les bâtiments qui explosent, et du coup ça change complètement la physionomie du terrain, tu vois, tu peux plus te planquer et tout. Ça ils l'ont fait et c'est vraiment cool. Le gros défaut, c'est le feeling des armes, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des armes. Alors, Seconde Guerre mondiale, déjà, c'est pas ouf. Mais alors, Première Guerre mondiale, la gueule des snipers, quoi. C'est des trucs avec... Même s'ils ont voulu faire des choses efficaces, t'as quand même des armes qui tirent un coup par un coup. La déviation, elle est extrême. En fait, c'est hyper dur de jouer ça, quoi. Mais bon voilà, c'était moi j'ai quand même j'ai pas énormément joué hein, j'ai pas poncé les jeux mais j'aime bien quoi l'ambiance quoi. J'aime bien l'ambiance, je trouve que c'était cool. Mais avec un truc moderne, c'est sûr, tu reviens sur les BF3, BF4 et là d'un coup feeling des armes et tout, ça va être plus sympa quoi. Disons que tu auras pas l'impression de tirer avec un pistolet à plomb quoi. Alors batterie, je suis à 92, préparation, je suis à 100%, de la lumière, ça ne sert à rien. Et tu parlais d'une... Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as parlé d'une suite... Attends. Suite de Left 4 Dead? Mais c'est... ils se font une suite officielle ou c'est l'autre jeu là dont j'ai perdu le nom là, qui est du Left 4 Dead like? Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Enfin, Left 4 Dead 3. Parce que ça, si c'est le cas, j'ai... Ah oui, Back 4 Blood, ouais, ok, ouais, c'est ça. Donc celui-là, ce qui est un Left 4 Dead like. Je sais pas, c'est le même studio derrière ou pas? Parce que j'avais vu les images et tout, j'avais lu un peu les previews, c'était assez... C'est du copier-coller, quoi. Mais en même temps, c'est une formule qui marche bien, quoi. Ouah, c'est lui là. Ouah, c'est eux même. Ah bordel. Non mais laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Ça va pas de me crier dessus comme ça là.
Ouais, même dev, pour ça je dis suite. Ok, voilà, ouais. Oui, donc ouais, ça explique que ça soit tout pareil, quoi. On n'a pas suivi, hein. Non, ça va. On a vu le message, je vais dire pas longtemps, tu vas pas sur un longtemps, mec. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. On y va? Ailleurs. Que ce soit du recyclé, le jeu est tellement fun qu'à s'y remettre, quoi pas. Ouais, non, mais alors là, pour le coup, oui, le recyclé. Attends, je vois le véhicule. Pour le coup, le recyclé, aux œufs, quoi. Enfin, je veux dire, le truc, Left 4 Dead, ça fait tellement longtemps qu'il n'y en avait pas. Ils te ressortent un Left 4 Dead mise à jour. On prend, quoi, tu vois. Enfin, ça, je suis totalement d'accord. Et dans le même style, il y a. On avait fait là, bah, avec Moulpout, on n'est pas allé au bout, mais. Même si lui l'a fait, on avait fait Vermintide, donc il y a un. On y va. Qui est un Left 4 Dead. Left 4 Dead Warhammer, quoi. En gros, hein. Et bon, on l'avait fait sur PS4, donc on a arrêté pour cause de problèmes réseau. Mais il y a un prochain Left 4 Dead. Enfin, style, un Left 4 Dead-like. Dans l'univers de Warhammer, mais de 40 000, donc avec des armes de tir et tout. Moi, ça, je me souviens plus du nom, mais ça me chauffe de ouf aussi. Ça me tente grave. Il faudrait que je fasse le cyclope. Mais cyclope, il me manque des ingrédients. Et je sais pas où trouver les ingrédients. Donc, tu vois, moi, tu sais. Parce qu'après... Attends. Constructeur d'habitat. Si je vais là. Voilà. Toutes ces choses-là que je peux construire, mais... Je sais pas où aller. On y va. Alors, il m'a dit le signal approximatif. Oui, il est tellement approximatif qu'il n'y en a pas de signal. Putain, j'ai fait un screen, mais n'importe quoi, j'ai fait un screen de ça, quoi. Notre transmission enregistrée dans la banque de données. Ok, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ouais, trop de choses là, je peux pas tout voir. Ah ouais, ça peut être sympa, je jouais un peu au figurine 44 quand j'étais plus jeune chez Game Workshop. Ouais, bah écoute, c'est... Il y a un avantage... En fait, l'avantage de jouer aux jeux vidéo Game Workshop, quand ils sont bien, parce qu'ils en sortent une palanquée et il y en a beaucoup de nazes, bah c'est que, du coup, ça coûte moins cher. Voilà. Et ça, c'est... Et alors, il me faut des ingrédients pour le cyclope. Schéma de moteur. Attends. Truc qui m'échappe, là. Non, j'ai pas donné de message. Parce que là, je peux construire des choses. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, des batteries haute capacité. Bah oui, tiens, je vais en faire une. Trouve un emplacement pas trop profond entre les trois biomes vers une forêt d'algues. Je le connais, je pense que ça l'énerve de me voir tourner en rond. Ah, bordel. Je sais plus ce que je voulais faire. Un emplacement pas trop profond entre les trois biomes vers une forêt d'algues. Un emplacement pas trop profond entre les trois biomes. Mais je sais même pas où ils sont les biomes. Qu'est-ce que tu me dis les trois biomes? Qu'est-ce que... C'est quoi les biomes? Les biomes. Là où je suis, c'est un biome. Oui, bah oui. Ça, c'en est un. Mais je sais pas pourquoi j'ai besoin de faire une base. Franchement, si je fais ça, regarde, c'est à côté.
Je sais pas c'est quoi l'intérêt, je suis à 20 mètres. Et oui, le roi du backseating, c'est ça. Je suis le pire des backseaters. Je suis affreux. Et en même temps, je dis ça et c'est pas vrai parce que j'ai trouvé pire. Mon fils. Bientôt 9 ans et c'est le pire des backseaters. Même moi, je suis mal à l'aise. Même moi, je suis obligé de lui dire d'arrêter. Genre ça, c'est un biome, ok. C'est pas très bien écrit hein, que ça soit un biome. Et là, est-ce que je suis vers les champignons, là? Attends, j'ai fait cet endroit, là? Oh, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas fait. Attends, là. Alors, attends, parce que j'ai pas mis le cutter. Tiens, je mets le cutter. Bah, mets le cutter. Quoi? Ça marche pas? Quoi, c'est pas ça? Ah merde, je croyais. Non, y'a rien. Ok, bah... Non. Oui, oui, oh, merci, merci de me prévenir, mais je suis pas loin quand même, Jean-Mich, je suis à 104. Fragment, c'est quoi ça? Bioreacteur, non, ça m'intéresse pas. Je prends quand même. Ah, quoique si, ça m'intéresse. Ça c'est pas ouvert. Et comme ça, je m'en fous du boomerang. Ah, c'est quoi ça? Rien du tout. Oui, oh, ça va. Ah là, tiens, c'est quoi ça? 6 modes, c'est pas grave, on s'en fout. Ouh là, j'avais pas vu. 3, 2, 1. Waouh! Waouh, incroyable ces lunes. Ouais bah là il y a un mec des sables. Ouais mais titane j'en veux plus. Ah bioreacteur ça m'intéresse. Non ça m'intéresse plus. Inventaire plein de toute façon, qu'est-ce que je veux. Arrête de faire n'importe quoi là. Alors oui, oh, ça va. Bon, les biomes, on avait dit quoi là? Quand t'entends les trois biomes, tu veux dire quoi? Ceux avec des algues rouges, ceux avec du rien. Dis-moi ce que t'en penses, Moulpou. Tu me dis stop au moment où tu penses que c'est bon. Putain, lui, il est petit, c'est un bébé, non? Je suis dans un nouveau biome là. Ah ouais, celui-là c'est un nouveau biome là, ça. Non?
Genre ici. Là. Là, si je fais un truc ici, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je m'arrête. Je m'arrête, je vais chercher du café. Donc tu vois, c'est ici. Donc tu me dis, le temps que j'aille chercher du café. Je mets pause quand même pour pas me faire éclater pendant que je suis pas là. Non, c'est pas là, c'est celui-là. Tout de suite. Oh là Flo, c'est trop profond. 65 mètres, c'est trop profond, tu trouves? T'es qui arrête pas de m'agresser là. Si je remonte là. Là, regarde. Je suis à 40 mètres. Ou alors là, regarde là. Là. Là, je suis à 20 mètres. Je suis à 20 mètres là. Aïe, aïe, casser les trucs. 20 mètres, c'est bien, non? On va pas parler d'un truc aussi sur Battlefield 2042. Le prix. Sacré zoulouterie, le prix de 2042 là. Sur PC, 60 euros. Soit, je crois que c'est à peu près le. Le même prix que partout, que d'habitude. Sur PS4, Xbox One, 70, donc comme d'hab. Et sur PS5 et Series X, 80. Donc tu passes de 60 balles PC à 80 balles. C'est un tiers du prix en plus, quoi. Oui, Ghost Recon ce soir, moi ça devrait aller mieux normalement. Là déjà ça va mieux donc. Non mais vous rendez compte quand même, de 60 à 80 balles. J'ai l'impression qu'il y a que moi que ça choque. Bon dis-moi Moulpout, là je suis à 20 mètres là, c'est bon, je le fais là. Hein, on va pas commencer, on va pas tortiller longtemps. C'est bien là. 2042, un accès anticipé avec le Game Pass? C'est vrai ou c'est une connerie ce que tu dis? Parce que j'ai pas suivi cette info là. Hein. Commence pas à me faire des faux trucs hein. Bon ça va. Qu'est-ce qu'on a dit sur BF? Bah que en tout cas moi j'étais chaud. Si j'avais une. Faut que je fasse quoi d'ailleurs? Alors je commence par quoi Moulpout déjà? On a dit que moi j'étais chaud. Que bah j'étais chaud si j'avais une nouvelle CG, hein, sinon ça attendra évidemment. Mais avec une nouvelle CG, oui, clairement. Que ça allait être encore une grosse claque graphique. Faut une balise avant. Okay. Ça allait être une grosse claque graphique. C'est où les balises? C'est où je fais des balises? Et 128 joueurs, donc ça sera, ça va être la folie quoi, comme d'hab. Ça va être une folie. Ah, 10 heures de jeu offert à partir du 10 octobre. Ah, ok. Ah, ouais, nice. Ah, oui, je vois très bien. Bah, c'est ce qu'ils font avec. Ok. C'est ce qu'ils font avec les. Il est où mon Simote? Il est là. C'est ce qu'ils font avec les jeux, genre quand t'as. Les jeux, quoi. Bah, alors, plus bas peut-être, Moulpout. Ici, là. Par terre. Là. Là, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'ils ont parlé de BR? Je ne sais pas.
Étant donné que leur tentative de BR sur les 1 et 5, c'était quand même pas la folie. Sur le 5, pardon, c'était pas la folie. Et en toute honnêteté, moi, ça me dérange pas s'ils foutent pas de BR. Hein. Parce que bon, c'est... Il est temps qu'on passe à autre chose. Donc là, j'avoue déjà le 128-64 contre 64. Ça, avec le moteur d'un Battlefield, ça va être... Il y a moins que ça soit dingo, quoi. Là, je suis à 40 mètres. Qu'est-ce que t'en penses? Output. T'es peut-être là même. Voilà. Là. C'était payant leur BR? Ah, peut-être, je sais pas. Après, peut-être qu'ils avaient fait genre le BR payant à côté et puis le. J'en sais rien. Écoute, Moulpout, moi, tu sais quoi, je vais arrêter de faire. Je vais pas le faire. Hein. Je vais pas le faire, je vois pas. Tu vois un endroit dégagé quelque part là? Tu vois que c'est la galère en fait. La profondeur est bien. D'accord, donc pas plus profond. Le problème, c'est que du coup... Ouais, mais du coup, regarde. Voilà. Tu vois? Pas mal, là. Ok. Mais par contre, tu me dis une balise, mais moi, je fais comment, la balise, là? Comment ça marche, la balise? Hein? C'est quoi la balise? Régateur, peau, non, radio, non. Porte étanche, non. C'est un truc à fabriquer ou pas? Tu sais plus. Tu sais plus. Tu sais plus. Donc tu me fais fabriquer un truc et tu sais pas. Franchement, je sais pas ce que je fais. Hein. Je fais un produit en croix, tiens, regarde. Hop là! Hé hé! Voilà! Et après, tu m'as dit qu'il fallait faire quoi? Je sais pas à quoi ça sert ça. Je sais pas pourquoi je ferais ça. Là j'ai fait ça et du coup évidemment j'ai pas de et ouais c'est pas balisé ça donc en fait à tout moment je sais pas où c'est quoi. Bon, attends je retourne dans mon simote. Oui oxygène je vais dans le simote. Et je vais regarder sur Google. Alors, Gymnotica. Balise. Oui, ben c'est à fabriquer, effectivement. C'est à fabriquer dans un fabricateur et un fabricateur. Et donc voilà. Et donc là, par exemple, voilà, ma base. Où est-ce que je l'ai foutu? C'était par où? C'était par là. Je vais essayer de la récupérer. Parce que du coup, je vais jamais le retrouver sinon mon truc. Je sais pas si je peux déconstruire. Putain, c'est trop bon. Ah, et si je récupère quand même le matériau. Ah, ça, c'est bien.
Voilà, ça me plaît. Les jeux où tu récupères les matériaux. Ça me plaît. Voilà. Quelle heure? Il est 9h40. Ok, ça marche. Allez, on retourne au fabricateur. Et d'ailleurs, attends, je voulais faire un truc. Pas ça. Juste enlever la musique. Et je voulais mettre cette musique-là. Histoire de se faire striker le replay. Parce que celle-là, je pense qu'elle est, elle est copyrightée, celle-là. Oh, ça va trop bien avec, ça va trop bien. Salut petit poisson. Putain, on dirait qu'ils se répondent, la musique et le behemoth là. C'est là peut-être la balise, non? Bah du coup j'ai pas. Hein. Du coup j'ai pas le plan de la balise en fait. Ouais, j'ai pas le plan de la balise. Donc je vais pas faire la balise. Allez, je vais arrêter la musique. C'était pour le kiff du début. Une session sandwich? Ah oui, il parle vraiment de sandwich. T'es sûr que c'était des noms de code. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Cuchille altère. Ah, un truc. Je vais manger et me coucher à plus. Allez, à plus. Merci d'être passé. T'as de quoi faire la balise? Oulput, je n'ai même pas le plan de la balise. Est-ce que tu comprends ça? Regarde, regarde. Je n'ai rien, je n'ai pas le plan de la balise. Où que j'aille, je ne trouve nulle balise.
Donc il faut que j'aille chercher des débris. Genre ça, est-ce que j'ai fait ça? C'est chiant sans qu'on puisse pas savoir ce qu'on a déjà fait. Bon, a priori, il n'y a plus rien, donc je pense que je l'ai fait. Ça, non, il n'y a pas de QT. Et ouais, ah merde, c'est exactement ça. Je vais tourner un peu. Chercher un petit peu. Histoire de voir un peu, je trouve pas des trucs. Et par contre, ça pop là, c'est... Attends. Ça, je l'ai fait, ça déjà, je crois. Non, je l'ai pas fait, je crois. Je l'avais pas fait, ou je l'avais fait, j'ai oublié ce truc, je sais pas. Ah, balise. Il m'en manque un deuxième. Est-ce que c'est là? Non, c'est quoi ça? Piège à gravité. Je crois que j'ai déjà le piège à gravité, non? Non, je l'avais pas. Là, elle est là, balise. Non? Non, Seaglide. Seaglide, je l'ai déjà. Retour à l'explos. Non, mais ouais, voilà, on va. Bah oui, mais oui, mais attends. Eh oh, eh. Bon. Je pense que je vais faire. Allez, une demi-heure de plus, je pense, hein, mais j'aurais pas le. J'aurais pas encore la force de faire plus. On va trouver de quoi faire une balise. Je vais faire le tour. Je suis sûr que j'ai pas tout exploré. Je vais faire le tour sans dépasser les algues, tu vas voir s'il y a quelque chose avant les algues. Arrêtez de crier comme ça là, vous me faites peur. Ça, je pense que j'ai tout fait, mais on sait jamais. Non, ça j'ai. Bah, j'avais du tout faire déjà. Non, pas eux là. Pas ceux qui pètent là. Alors, voyons voir. Ah! Qu'est-ce que c'est qu'il y a là? Seaglide. Et merde. C'était pas ça. C'était pas ça.
Est-ce que je l'ai fait lui? Ouais, je l'ai fait, je crois. Ouais, j'ai fait ça. Là. Allez. Allez, dis-moi qui a la balise. Fais-moi rêver. Non, je crois que c'est par quoi j'ai commencé. Hein. Ouais, je crois que c'est le point de départ là. Ah, oh, bordel. Voilà, ça c'est un peu chiant quand même dans ce jeu quand même. Attends, regardez là. C'est quoi ça? Mais non. Ça j'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Bon, je crois que j'ai fait tout le tour. Voilà, je crois que j'ai fait après le tour. Ça, je sais pas si je l'ai fait. Allez. C'était vraiment un coup de chance que je trouve le... Le bout de balise là, tout à l'heure. Dans le biome de base. Ouais, mais c'est pour ça. C'est ce que je fais, ce que je me suis dit. Je me suis dit que ça devait être dans le biome de base, tu vois. Donc tu vois, je... J'ai pas lu les astres, mais je me doutais. C'est pour ça que je suis en train de faire tout le biome de base. Mais je ne le trouve pas. Je n'ai trouvé que la moitié pour l'instant. C'est un petit peu énervant. Parce que... pas retourner dans tous les sens quoi. Ça c'est quoi ça? Il y a des débris ça non? Ouais c'est des débris tombés. Ça aussi c'était des débris. Débris... Ah! Non débris. Débris. Là, je suis proche de l'aurora là. Barre-toi. Barre-toi mon Jean-Mi. Barre-toi mon Jean-Mi. Voilà.
Ok. Est-ce que je l'ai fait celui-là? Oui, je l'ai fait. Hein. Aïe aïe, désolé poisson. Bon, pour parler d'autre chose, du coup j'ai fini la. J'ai lu la fin de Attack on Titan. Voilà, ça y est, j'ai pas pu. Je suis pas résigné à attendre fin 2022 pour la fin des. La suite et fin des animés, donc j'ai lu le manga. Voilà. Et bah c'était cool. C'était cool. C'est Oui, bah oui, non, mais je me fais peu de soucis. Ah, regarde ça, est-ce que c'est une balise ça? Eh non, Sea Glide. Ouais, donc la fin d'Attack on Titan, c'était bien cool. Je suis très content d'avoir lu. Ça part encore sur des tripes assez métaphysiques. J'ai lu sur le site que tu m'as, ouais voilà, sur le site que tu m'avais filé. Je l'ai fait sur mon ordi où j'ai pas Adblock. Bah, y a quand même beaucoup de pubs. Hein. Ouais, c'est sûr que j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, hein, mais. Voilà la balise! Elle est là la balise! Et voilà la balise! La balise, elle est là! Ce sont des petites victoires comme ça qui font que les journées paraissent plus égayées. Donc sur le site que tu m'avais filé, ouais, donc c'est quand même plein d'axes de pub. Au début j'ai même cru qu'il y avait un bug parce qu'il faut scroller avant d'avoir ta page, tellement il y a un énorme encart de pub au-dessus. Mais après écoute non, j'étais content de le lire. Alors attends. Un truc aussi quand même, hein, c'est que j'avais jamais lu le manga, moi j'ai regardé les animés. Hein. Et autant je trouve l'animé plutôt moche, à part quelques moments d'animation, mais globalement c'est pas joli. Mais alors le manga c'est pire. Mais c'est d'une mocheté. Vraiment c'est moche, de moche, de moche, de moche, de moche. Hein. Et là tu dis heureusement que le scénar il est cool. Hein, parce que sinon il n'a rien pour lui. Hein. Minerai de cuivre et titane. Et ça c'est quoi ça? Piège à gravité. Non, minerai de cuivre, titane, ok. C'est du cuivre, j'en ai. Ah ouais, mais moche de moche. Ouais, de bloquer PC, mais écoute, tu vois, moche. Est-ce que ça rentre dans mon inventaire? Ça passe ou pas? Elle est comment la balise? Oh, ça va, les petites. Ok. Alors, attends. Je vais récupérer le titane. Attends, je vais filer les trucs dont je me fous, là. Hop, et je vais récupérer le titane. Ah, mais j'ai plein d'argent. Ouais, mais moi, tu vois, je suis sur mon Mac et Safari et je vis l'expérience totale, tu vois. Je vis la full expérience. Donc, j'ai pas de bloc. Alors, attends, non, mais faut qu'on s'éloigne un peu là. Si on s'éloigne pas, ça ne sert à rien. Truc là, ouais.
Non, mais je suis pas assez proche des autres biomes là, si. Attends. Il n'y a pas de plat. Oups. Ouais, donc voilà, j'ai vu la fin d'Attack on Titan, et c'était pas mal. C'était pas mal. Ça vaut la lecture. Que là ça te plaît bien là, 50 mètres. Trop profond 50 mètres? Hein? 50 mètres c'est comment? C'est bien non? C'est pas assez, c'est trop profond déjà 50. C'est pas très plat hein. Non mais je suis qu'à 300 mètres, je vais pas faire un truc à 300 mètres, non mais laisse tomber, attends. Laisse tomber, je vais pas faire un truc à 300 mètres de... Hein? 300 mètres, je le fais à pied. On va se bouger un peu là. C'est pas assez plat. Ouais, non, oui, puis de toute façon on est trop près là, je vais pas aller... pas me foutre à 300 mètres quoi. Attends, mais là je suis pas à l'Aurora là. Évidemment, c'est pas du tout de ce côté-là que je voulais aller. On va de l'autre côté. C'est pour les panneaux solaires. Ah, ok. Ok. Oui, faire plus loin, 300 mètres, attends. C'est n'importe quoi. Mais là je fais demi-tour parce que je me calais vers l'Aurora et ça, j'ai pas trop envie d'être proche de l'Aurora. Bon, et du coup, Moulpout, Battlefield 2042, ça te chauffe ou pas, toi? Je trouve pas un truc vraiment génial. C'est pas la folie. Hein. Franchement, il y a moyen de rigoler. Hein. Ah, il sera pas dans, je pense que ce sera pas dans le Game Pass, il y aura les 10 heures dans le Game Pass. Il sera dans le Game Pass, je pense, comme les autres jeux, genre 8, allez, 8-10 mois après, je pense, un truc comme ça.
En fait, c'est un jeu Electronic Arts, donc ce sera comme les autres jeux, quoi. Là, t'as 10 heures offert. Attends, c'est pas où, il est où l'Aurora? Il est là-bas. Pas du tout, il est là. Il est là, et je me rapproche encore une fois de l'Aurora. C'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille, c'est par là-bas. Mais là, je trouve rien qui soit loin et qui soit à bonne distance, tu vois. Non, qui soit loin et à bonne profondeur, pardon. J'arrive directement sur les autres biomes, là. Tu vois ? Tu vois, ça devient galère. Je peux tenter. Ouais, c'est. Non, c'est 50, c'est trop juste. Oh là là, on voit rien, ça me fait peur ça. Oh, aïe, moi j'aime pas ça. Ça fait flipper. Ça m'angoisse. Je suis à combien là? Je suis à 700 mètres. Ah mais c'est peut-être par là que j'avais retrouvé mon truc, non? Tu regardes en face là. Ici, là, par là. Ça se tente 50. Ouais, mais c'était. Je mets pas trop l'endroit, tu vois. Là, par là, regarde. Ça remonte un peu. Je crois que c'est là où j'étais la première fois, là, non? C'était par là, ouais. Ouais, il me semble que c'était par là. J'ai trouvé un petit terrain plat. Un petit terrain pour faire construire, là. Genre ça, là. Ouais, tu vois, on est... Non, non, je vais remonter un peu là-bas. Ouais, c'était là en fait, je crois. J'étais tout à l'heure. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'espace plat. Hein. Pas mal là où? À 50 et quelques là? Ici là? Attends. Merde, je sais plus où je suis. C'était là. Où ça? Là, là? Ici là? Ici. Là, je bouge pas et je laisse le délai histoire que tu vois, ça arrive. Comme ça, je vais me chercher du café encore. Tu vois, regarde, je mets pause. Tu as vu où c'était? Je reviens tout de suite. Tu sais pas, pour 60 ça risque d'être short. Ok, donc faut que je remonte.
Là? Ouais, mais c'est pas... T'as vu la merde que c'est, là? Il y a des cailloux partout, là. En vrai, moi, je m'en fous, hein. Là, moi... Là. Regarde, là. Là. Là, ici, là. Ouais, je te dézoome. Là. Cet endroit-là. Voilà. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, allez, c'est parti. Voilà, la lumière des phares de bagnole. C'est ça la vie qu'on veut mener. Par quoi je commence? Alors, faut que tu mises parce que franchement, moi je te mets un tube en 4 et puis on n'en parle plus. Hein. Est-ce que je fais une fondation renforcée d'habitat? Ou est-ce que ça sert à rien? Je sais même pas ce que c'est ça. On va récupérer. Hop. Fondation, oui, ok. Wow. Ah, ok, j'ai capté. Ok. Ah, il veut pas? Ah, mais non, attends. Ludo, fais pas n'importe quoi. Voilà, je l'ai bien fait en diagonale. T'as dit quoi? Un étage avec une salle au milieu? Une salle au milieu, c'est quoi ça? Ça? Ouais, mais ça rate pas au milieu là, tu vois. C'est un enfer ce truc en vrai. Ah, et j'ai plus de plomb, ouais, nique ta mère. Et pourquoi il veut pas se caler dessus là comme dans Valheim? Tu vois ce que je veux dire? Regarde ça. Ça va pas? Vas-y, j'essaye pour. Pierre, j'étais construit. Franchement, je comprends. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Là, ça fait n'importe quoi. En fait, il faut que je mette côte à côte, je sais pas. En fait, je sais pas à quoi ça sert le truc renforcé là. Mais faire ça, mais à quoi ça sert le truc renforcé? Hein?
quoi ça sert? Sachant qu'il y a des pieds à chaque truc. Explique-moi. Fait un réseau de tuyaux sur la fondation. Un réseau de tuyaux. Tu fais la salle à l'écart. Salle à l'écart, ok. Ah, j'ai plus de titane. Tu le crois ça? Hop, 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 hop. Ah non, j'ai ma balise, c'est bon. Je peux la caler où ma balise? Je peux la caler où je veux d'ailleurs. Donc là, je la vois normalement. Ouais, ok. Voilà. Et une fois que j'ai fait ce système de réseau là, qui ressemble à rien du tout. Franchement, je vais ramasser de quoi récupérer, de quoi faire la salle et après faut que j'arrête de toute façon. Faut juste du titane. Évidemment, je vais pas. Ah, si, peut-être là-dedans, on va trouver. Non, pas du tout. Plus de place. Allez, on retourne à la maison. Et il y a un compartiment spécial avec une entrée. Attends, genre si je fais la salle, je peux pas rentrer direct? Ah, le descriptif des tuyaux. Oui, mais lire les trucs, c'est pas mon délire. Et je vais regarder si j'ai des titanes. J'espère que j'ai des titanes. Bon, c'est pas encore la folie, hein, au niveau de ma tête et tout ça. Je suis encore, mais un petit peu groggy. J'ai chopé un rhume, hein. J'étais en mode état grippal et tout, donc. Et ces petits tuyaux, non. Non quoi? Tu dis non à quoi? Là, tu dis non comme si je le savais. Fais une phrase, hein. Non, y'a rien là-dedans. Juste... Chier. Putain, mec. Quel affreux personnage es-tu? Ah, mais j'en ai plein de titane. Ah yes, je vois ma balise. Ah, elle était où? La balise.
Elle est là. Changer les couleurs, je crois. Par rapport à l'entrée dans la salle. Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée dans la salle ? Je peux pas juste mettre une salle et c'est bon ? Ah voilà, ok, ok. Yes. Et donc là, ce que tu me dis, c'est qu'il faut, bah, il faut que je fasse une entrée, c'est ça? Et sauf que j'ai pas fait ça. Créer un point d'accès. C'est ça qu'il faut que je fasse, une écoutille, non? C'est pas ça? Projet, on s'en fout. Ah, quoi, qu'attends? Ah non, mais ça, c'est où ça? Ça, bon, ça se met pas sur un truc comme ça là. Il me faut une écoutille. Pour une écoutille, il me faut du quartz. Pour faire du quartz, il faut que j'aille en trouver. Ouais, c'est du sel. Pas du quartz, mais on sait jamais. Ça va servir. Écoutille et panneau solaire. Tu vois que du quartz, j'en trouve à chaque fois quand j'en veux pas. Et je vais pas en trouver quand j'en veux. Classique shit. Puis en plus, j'ai plus de place dans mon inventaire. Il n'y a pas là du quartz. Non. Alors attends, ce qu'on va faire déjà, je vais virer ça en fait. J'ai pas besoin de beaucoup. Juste le quartz. Celle aussi, je peux le virer. Hop, ils sont pas loin de toute façon. Elle est du quartz. Voilà. Non, pas du cuir. Bah, ça va être par là-bas. Écoutille et panneau solaire. Écoutille et panneau solaire. Quartz. C'est quoi ça?
Simote, non mais je veux pas simote. Quartz. Où est le quartz? Putain, mais... Le quartz, c'est par là, non? Au pire, hein. Au point où j'en suis, on va regarder si j'en ai pas dans mon... Et j'en ai pas. Saloperie, j'en ai pas. J'en ai pas. Quelle heure il est? 10h30. Encore un petit peu de temps. Il est où le quartz? Ah mais attends, déjà le quartz il est vers là-bas là. Il est vers le... Voilà, on va aller par là. Je sais qu'il y en a par là, c'est sûr et certain, il y en a par là-bas. Regarde autour dans les grottes. Non, mais de toute façon, regarde, je crois qu'il y en a. Par là, là, il y en a plein, voilà. Tu vois, je savais qu'il y en avait là. Mais il en fallait deux, hein, c'est ça. De base. Là, je sais que vers l'Aurora, c'est une espèce de... Les plages désertes, un peu là, c'est ça. T'en trouves. Donc je pense que je fais l'écoutille et après j'arrête, hein, d'accord? Parce que... Ouf. Et demain matin, j'espère que je serai en forme, normalement oui. Ça sera quoi demain matin? Demain matin, je sais pas, Subnautica ou SnowRunner, un des deux, je sais pas. Je voulais faire un coup sur deux en fait, mais je vais voir. Je suis allé tellement loin pour rien. Ouais, j'ai bien calé le truc là. Oh, c'était un seul quartz, tu vois même. Olé. Attends, vas-y. Olé! Wouah! Oh, par contre, c'est un TARDIS le truc, hein. C'est plus gros à l'intérieur, hein. Olé! Ouais, par contre. Ah oui, il n'y a pas d'oxygène. Ah oui, ça, c'est un peu. C'est quoi du coup le truc à fabrication à oxygène? Alors, on va peut-être déjà sortir et reprendre de l'air là. Ouais.
Bon allez, je vais m'arrêter là de toute façon. Sauvegarder. Oh, oh mais c'était bien sympa de reprendre un petit peu. Mais il vaut mieux que. Ouais, il vaut mieux que j'alterne en fait. Tout simplement parce que quand ça fait. La dernière fois que j'ai joué, c'était vendredi, donc ça fait quasiment une semaine. On met trop d'écart. Sur des jeux comme ça, je suis perdu. Donc je vais faire un jour sur deux, je pense. Un jour sur deux, donc demain ce sera SnowRunner et puis peut-être lundi Subnautica, je sais pas, je verrai. Bon, et puis ce soir, on démantèle, on va démanteler la tout le réseau de narcotrafiquants colombiens. On y va. Hein. El Sueño n'a qu'à bien se tenir, nous arrivons. Allez, voilà. Tac. Allez, bye bye. À très vite. Ciao, ciao.